Mais faites-le taire. Faites-le taire avec Tom Villa qui nous a rejoint. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et aujourd'hui, bonjour. Vous vouliez vous adresser donc directement à Benjamin Castaldi qui est notre invité. Eh oui, bonjour Benjamin. Bonjour. La dernière fois qu'on s'était vu ici à Europe 1, j'avais préparé votre pot de départ de TF1. Je vous avais ramené du champomis et des boudoirs. Ah oui, c'est vrai. Vous les avez donnés en début de chronique. Erreur de ma part, puisque tout le monde était occupé à manger et à boire. Et personne ne vous avait écouté. Jean-Marc, voilà, avait la bouche pleine de gâteaux. Julie secoue la bouteille de champomis comme un champion de Formule 1 après une victoire. Donc bref, personne ne m'écoutait. Alors aujourd'hui, vous aurez le droit à un verre d'eau, mais après ma chronique. Voilà. Merci. D'ailleurs, j'ai de la chance, je suis avec deux grands gagnants aujourd'hui, Jean-Marc Morandini et Benjamin Castaldi, tous deux récompensés lundi par la cérémonie des Gérards. Alors les Gérards, qu'est-ce que c'est ? C'est une cérémonie présentée par des gens qui bossent qu'une fois par an, et quand ils bossent, c'est sur Paris Première. Donc vous voyez, c'est pas dégueu. Jean-Marc, vous avez eu le Gérard de l'animateur que tu pourrais pas expliquer à tes gosses, et Benjamin, vous avez eu le Gérard, je cite, de point, de l'animateur, qui est allé travailler sur la TNT, parce que tu vois, dans un paysage en pleine mutation, la TNT, c'est la télé 3.0 de demain, c'est à la fois numérique et terrestre, et surtout parce que ça repousse après-demain le chômage. Fermez les guillemets. Vous voyez, c'est pointu. Alors, c'est des gars qui vannent la TNT, mais qui sont eux-mêmes pas sur la TNT. Hein. C'est présenté par Fred Royer, qui aurait pu avoir le prix de l'animateur qui anime depuis 10 ans les Gérards, et on sait toujours pas qui c'est. Présenté aussi par Alexandre Pell, qui aurait pu avoir le prix du mec qui a fait sa carrière à l'envers, pour avoir commencé avec les nuls, joué dans Caméra Café, et qui finit sur le canal 28 de la Darty Box. Voilà. Alors, je tiens juste à le préciser, ce n'est pas Jean-Marc Morandini qui m'a demandé de dire du mal des Gérards, c'est Benjamin. D'ailleurs, on me devait 50€. C'est vrai que c'était très très nul. C'est vrai, bah, ouais. Oui. Mais ouais. On n'a pas le droit de le dire, on s'engueule, on dit qu'on est gris quand on dit que c'est nul. Alors, bah non, mais moi je l'ai dit. Et ils remettent des parpaings à des animateurs et ils sont plus mauvais que les exactement. Gens qui récompensent. Et moi, regardez. Et moi aussi. J'y vais ? C'est bon ? Oui, allez-y, pardon, pour moi, il n'y a pas de souci. Excusez-nous. Non, il n'y a pas de souci. Ce soir, prime de la nouvelle star sur Z8, on ne change pas une équipe qui... On ne change pas une équipe. vous retrouvez votre complice André Manoukian. Ouais. Alors, cette année, Jean-Marc Ladion pourra voter par téléphone, SMS et petite nouveauté par Twitter, et ça sera gratuit. Ouais. Donc, effectivement, on peut se dire que ça va cartonner si c'est gratuit. Mmh. Eh ben, je vous le souhaite, mais moi, je continuerai toujours à payer par SMS. Pourquoi ? Voilà. Moi, je n'ai pas envie que les gens sachent pour qui je vote. D'ailleurs, je n'ai même pas envie que les gens sachent que je vote pour la nouvelle star tout court. Mmh. Pour voter, il faudra marquer sur Twitter hashtag NS vote. Oui. À ne pas confondre avec voter NS, qui sera le hashtag officiel de Nicolas Sarkozy. voilà. Alors, ma chronique est terminée. Benjamin, voici votre verre d'eau. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai un petit service à vous demander parce que je suis en train de construire ma véranda. Donc, si vous n'avez pas l'utilité de votre Gérard, vu que c'est un parpaing. Oui, je peux vous le donner sans aucun exactement. Problème. Jean-Marc m'a déjà donné le sien. Ah, vous l'avez récupéré, vous ? Non, pas encore. Pas encore, mais je vais aller le récupérer pour lui. Avec un peu de chance, si j'arrive à choper les parpaings d'Anouna et de Polony, je vais pouvoir même agrandir mon garage. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Tom Villa, que vous allez pouvoir voir sur scène au Paname Art Café à Paris, jeudi et vendredi à 20h.